Alors, dans le cadre de la guerre froide, on peut étudier l'exemple de l'Allemagne et de Berlin. Pourquoi étudier l'Allemagne et Berlin? Parce que l'Allemagne est à l'origine de la guerre froide et elle est aussi à la fin de la guerre froide. Donc, en étudiant l'Allemagne, ben, on peut comprendre un certain nombre d'éléments qui caractérisent la guerre froide. Qu'est-ce qui se passe en 1945? L'Allemagne est vaincue et occupée par les Alliés qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. À l'ouest, les Anglais, les Américains, les Français. À l'est, les Soviétiques. Le problème, c'est que Berlin, la capitale de l'Allemagne, se trouve en zone soviétique et qu'on peut difficilement laisser la capitale aux mains de Staline. Donc on va reproduire cette occupation, occupation quadripartite, puisqu'il y a quatre occupants, à Berlin même. Donc on est dans une situation un petit peu compliquée. Les Alliés, les Américains et les Soviétiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le sort qu'on va réserver à l'Allemagne. Quel type d'État on va en faire? En 1949, après le blocus de Berlin que Staline a organisé et qui a été un échec, c'est la rupture et deux États sont créés. À l'ouest, la République fédérale d'Allemagne, la RFA, qui est un État libéral, allié des Américains et qui va construire l'Europe. Et à l'est, la RDA, la République démocratique allemande, qui est un État communiste allié de Moscou. Les relations entre ces deux États sont inexistantes, ils ne se reconnaissent pas. Mais le problème, qui est lié à la géographie très particulière de l'Allemagne et de Berlin, c'est que les Allemands qui vivent en RDA, qui est une dictature communiste, où on connaît la pénurie, ont envie de migrer à l'ouest, où les conditions de vie sont meilleures. Et ils peuvent le faire sans aucun problème. On considère qu'entre 1949 et 1961, 3 millions d'Allemands de l'Est ont quitté leur pays pour se réfugier en RFA. En août 1961, le gouvernement est-allemand décide de réagir et fait construire en 24 heures, le 13 août 1961, le mur de Berlin qui empêche désormais les Allemands de l'Est de passer à l'Ouest. Ce mur est une manifestation de ce qu'on appelle le rideau de fer, c'est-à-dire la coupure entre l'Ouest et l'Est de l'Europe. Pour les Allemands de l'Ouest, ce mur sera le mur de la honte. C'est le nom qu'ils lui donnent. Alors, en dépit de cela, les relations s'améliorent un peu dans les années 1970 entre les deux Allemagnes. En 1972, les deux États se reconnaissent et vont entrer à l'ONU en 1973. Il n'en demeure pas moins que l'envie de quitter l'Allemagne de l'Est prédomine toujours chez les habitants de la RDA. Dans les années 1980, il y a des manifestations en Europe orientale, on rejette le communisme, ces manifestations sont particulièrement importantes à Berlin, et le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin, qui sera suivie un an plus tard par la réunification des deux Allemagnes, qui ne forment plus aujourd'hui qu'un seul État. Donc on a bien vu que on pouvait dire que la guerre froide commençait à cause de l'Allemagne et que symboliquement, elle se terminait en Allemagne. Le saviez-vous? Bien que le mur de Berlin ait été construit, les Berlinois de l'Est ont quand même essayé de passer à l'Ouest au péril de leur vie et en utilisant des moyens variés, pliés en quatre dans le coffre d'une voiture, creusant des souterrains ou même en montgolfière. Il n'en demeure pas moins que des centaines d'Allemands de l'Est sont morts, abattus par la police est-allemande en essayant de fuir à l'Ouest. Donc on peut dire que le mur de Berlin a eu un impact dramatique.